Miracle, je suis Elina. Je suis Amélia. Et on est les sisters. Aujourd'hui, on va faire un slime challenge en version satisfaisante. Le but du jeu, c'est de transformer ce slime. On va utiliser tous ces ingrédients pour modifier sa matière, sa texture, la couleur. Donc suivez-nous, c'est parti. Premier slime round. Pour le premier round, on va transformer ce slime argenté. Pas vraiment chouette. Alors on va le mettre en couleur hyper chouette. Il va être plus joli quand on va le transformer. Alors là, on va réfléchir comment on peut transformer ce slime. C'est bon, maintenant, on va partager tous les ingrédients. Alors, je vais juste rajouter de la poudre jaune fluo. Et je vais mettre de la crème pour qu'elle s'y tire mieux. J'ai envie que mon slime devienne fluo. Je rajoute encore plus de paillettes. Tout sera un galaxy slime. Maintenant, ça va tout. J'adore la couleur. J'ai rajouté des paillettes bleues. Si. Il manque un peu de couleur. Donc je vais rajouter le colorant, le turquoise. Alors voilà, il est bleu turquoise métallique. Il est vachement joli. Alors dans ce slime, j'ai changé la couleur. J'ai mis des paillettes parce que j'aimais pas quand il n'y avait pas de paillettes dans le slime. Après, il s'étire encore mieux grâce à la crème. Il fait des grosses bulles. Alors que moi j'ai juste changé la couleur. Je trouvais que la texture était parfaite et qu'il fallait juste changer la couleur. Alors Amélia, c'est qui a gagné dans ce round? Moi je pense que c'est le mien. Moi je pense que
pense que c'est mon slime qui a gagné dans ce round parce que j'aime pas trop la couleur d'Amelia. C'est deux slimes qui ont gagné dans ce round. Un point chacune. Let's go pour le prochain round. Deuxième round. On va transformer le slime violet très vif, mais on va changer. Moi, je vais changer la texture. Je vais changer la couleur. Je vais rajouter des billes. Je vais changer la texture. Donc on et la couleur. On choisit les ingrédients. Okay. Allez. Je pense qu'il est un peu trop foncé en fait. J'ai envie de changer un peu la couleur, qu'il soit encore un peu plus clair. Je vais mettre de la poudre blanche pour qu'il soit plus clair. Je mets toutes les paillettes qui sont ici, à part les noirs. Le noir. Je vais mettre des paillettes blanches. Dans un petit gâteau. Maintenant les mêmes bimes en plus gros. On dirait un gâteau qui sont hyper bons et qui est vachement joli. Et maintenant du savon liquide. Je pense que t'en as mis déjà assez. Voilà. Oh, c'est trop joli. Et maintenant de la poudre blanche pour qu'il soit plus clair. Je dirais quand t'es en train de mettre du sucre glace. Et c'est bon. Et maintenant, je rajoute des paillettes blanches. Des paillettes roses. Des paillettes violet. Et après, des paillettes roses. Je vais mettre un peu plus de blanc parce que j'en ai mis un peu. Pour que ce soit crunchy, je dois mettre beaucoup de billes. Pour donner une nuance métallique, je rajoute de la peinture métallique rose. J'aimerais vraiment avoir un slime crunchy, mais vraiment, vraiment crunchy pour qu'il fasse croc, croc. Donc je vais rajouter encore plus de paillettes, de billes. On va mettre des petits. Et voilà, je pense que c'est assez. C'était joli. Hein. Je vais bien mélanger. Je dirais que j'ai mis un peu trop de savon, mais quand je vais mélanger, il va être mieux. Attendez, je vais rajouter encore plus de poudre blanche parce que la couleur elle a pas trop changé.
voilà mon slime, j'aime bien. Il a vraiment changé de texture, on dirait vraiment que ça fait un slime snow. Alors mon slime, c'est la couleur rose, il y a des billes rouges et violettes. Un crunchy slime. J'avais mis des paillettes, mais on les voit juste un tout petit peu. Si vous voyez, ou soit, par exemple, si je les tire comme ça, on peut les voir. Coucou! D'ailleurs, il bouge tout seul. Le mien, il bouge tout seul. Troisième round. Voilà le slime qu'on va changer. Oh, j'aime trop la texture. Donc j'ai décidé de le transformer en slime jaune. Donc je vais rajouter des paillettes, du glaze, des billes et de la poudre et du colorant jaune. Et moi, je vais faire un batter slime blanc et je vais juste rajouter des paillettes bleues vachement jolies. Et je vais aussi rajouter des paillettes violettes. Et je vais rajouter des mini billes jaunes. Oh, je n'ai rien. Ah, elle est jolie. Voilà la différence entre mes trois couleurs de billes. J'ai rajouté les paillettes dorées. Des paillettes bronze, tout petit peu. T'auras un slime jaune. C'est ce que je veux. Du colorant jaune. Pour l'instant, je vais mélanger ces ingrédients et après, je vais rajouter la pâte. Voilà la transformation réelle. Je vais rajouter cette poudre pour que ça soit plus vif, pour que la couleur soit plus vive. C'est bon. Oh, ça fait un peu mal aux yeux. Regardez. Oh. Voilà une vraie transformation entre le slime rose, un peu transparent, et le slime jaune. Écoutez le bruit. Ça fait galaxie. Tu vas rajouter la pâte blanche? Oui, à la fin. Mmh.
j'ai vachement changé la texture, la couleur du slime d'avant. N'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces bleus si vous aimez cette couleur de slime. Je préfère cette couleur parce qu'elle est un peu plus vif. Oh, j'aime trop la matière. Ça me rappelle la neige. Alors mon slime, il est blanc avec des paillettes violet et bleu, mais surtout les paillettes bleues, on les voit pas. Il n'est pas vraiment blanc blanc. Il a un peu d'une nuance violet. N'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces bleus si vous aimez mon slime blanc avec des paillettes violet et bleu. La texture a changé. Elle est encore plus mou. J'arrive très bien à l'étirer. C'est comme un chewing-gum. Tous nos slimes qu'on a transformés. Mon slime préféré, bien sûr, c'est le jaune parce que c'est ma couleur préférée et j'aime bien sa matière. Je préfère le blanc parce que j'adore la consistance. J'adore comment elle s'étire et on peut faire des figures avec. Alors, mon premier slime, il est métallique bleu. Le deuxième, il est un peu snow liquide violet et crunchy. Et le jaune des batteurs crunchy. N'hésitez pas à transformer vos vieux slimes en une autre couleur ou en une autre matière. Donc si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des pouces bleus. Ciao, ciao, sinon vous allez voir.